Une première qui va compter pour le jeune belge Jasper Stuyven. Passé pro l'an dernier, le coureur de l'équipe Trek Factory dispute sa deuxième Vuelta et par la même occasion son deuxième grand tour. Mais les espoirs placés en lui après son titre de champion du monde junior en 2009 ont enfin abouti. Stuyven décroche sa première victoire d'envergure chez les pros, un coureur que l'on devrait revoir rapidement sur les classiques. Il a notamment remporté par le passé Paris-Roubaix chez les juniors, c'était en 2010. Pas de grosses difficultés aujourd'hui sur les routes de la Vuelta, un profil plongeant vers Murcie, un tracé qui n'a pas facilité la sortie des baroudeurs en début d'étape, un début d'étape cadenassé. Tout se jouant dans cette 8ème étape lors de la double ascension de l'Alto de la Cresta del Gallo. Une montée pas très longue, 6 km avec 6% de pente moyenne, mais avec des passages à 15% et surtout des routes étroites et une descente piégeuse. On est donc sur des bases élevées en début d'étape avec une première heure à plus de 50 km/h de moyenne. 6 coureurs sont tout de même parvenus à prendre la bonne échappée avec Kesseux des Etix Quickstep, Engoulevent de l'équipe Europcar, Alex Owes du team Cannondale, Van Asbreek des Lotto Jumbo, Catenao de la Lampre et Madrazo de la Cara Rural. Les Fuyards vont compter jusqu'à 5 minutes d'avance. Dans le peloton, la nervosité est importante et une lourde chute survient à 50 km de l'arrivée. Fin d'aventure encore pour TJ Van Garderen, déjà mis hors course durant le Tour de France et qui ne verra pas l'arrivée de cette Vuelta 2015. Dan Martin de la Cannondale et Nasser Bouani de la Cofidis, eux aussi touchés, vont abandonner. Dans la première ascension de l'Alto de la Cresta del Gallo, Alex Owes passe à l'attaque dans le groupe de tête, mais il chutera un peu plus loin dans la descente, abandonnant ses espoirs de victoire sur cette étape. À 33 km de l'arrivée, l'échappée est terminée. Le dernier fuyard, Madrazo, est repris par le peloton qui explose quelques kilomètres plus loin. Dans la deuxième ascension de la journée, les seconds couteaux passent à l'attaque avec notamment Brambilla des Etix Quickstep, suivi par Gonsalves de la Cara Rural et Durasek de la Lampre. Un groupe de 3 parvient ensuite à sortir dans la descente. On y retrouve encore une fois Gonsalves, mais cette fois avec Losada et Kenny Elissonde. Mais ce groupe est repris à 3 km de l'arrivée par un peloton où figurent tous les favoris au classement général. Pour la victoire d'étape, en revanche, c'est un peu plus flou. Peter Sagan, qui avait fait l'effort, chute à 8 km de l'arrivée. Adam Hansen attaque dans les 2 derniers kilomètres, mais il est trop juste et repris à quelques hectomètres de la ligne par les plus véloces à l'arrivée. Et c'est Jasper Stuyven, le belge de l'équipe Trek, qui s'impose. Il devance Peyo Bilbao et Kevin Reza. Oui, c'est comme ça depuis le début de la semaine, c'est nerveux avec des chutes dans tous les sens. On a eu de la chance jusque-là, mais aujourd'hui, on était tous impliqués dans la chute. D'ailleurs, notre leader Frank Schleck est tombé et il a perdu beaucoup de temps. C'est dommage. Quand vous êtes tous à terre, vous perdez l'avantage de rouler en équipe. C'est vraiment dommage pour Frank, mais je suis heureux d'avoir pris la victoire pour moi et pour toute l'équipe. Nasser Bouani à terre, Peter Sagan aussi, d'autres sprinteurs piégés dans les deux ascensions à l'arrivée. Ce sont quelques poissons pilotes qui ont pu s'expliquer dans le groupe de tête. Stuyven devance donc Bilbao et Reza, Visconti finit quatrième au général. Pas de changement, les leaders se marquent et aujourd'hui personne n'a perdu de terrain. Chavez, lui, continue cette Vuelta avec le maillot rouge de leader. Demain, place à une deuxième arrivée en sommet dans cette Vuelta 2015. Un nouveau col de première catégorie qui devrait faire des écarts au général. L'arrivée sera jugée à l'Alto des Puig Llorença après 168 km de course. Une dernière montée avec des passages à 20% qui auront de quoi effrayer les coureurs, le tout dans un décor de carte postale avec la Méditerranée en fond.